carrière de Vlemings coach pour adultes autistes Asperger. C'est la dernière vidéo sur la manière dont je gère les suites de mon burn-out autistique. Je vous ai déjà dit, je ne me considère pas comme étant sortie du burn-out autistique parce que je n'ai pas pu reprendre une vie comme la vie que j'avais avant. Je ne travaille pas, je travaille peu. Je suis peu en relation sociale, etc. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de la manière dont des ajustements que j'avais fait en matière de relations sociales, de la manière dont je prenais soin de mes fonctions exécutives, de la manière dont je prenais soin de mon corps. Et là aujourd'hui, je vais vous parler des aspects psy et émotionnels et puis très brièvement des intérêts spécifiques. Les aspects psy et émotionnels, énormément de personnes autistes vivent avec des traumas. J'ai consacré trois vidéos, pas toute une série. J'ai consacré trois vidéos au trauma. Vous pouvez les regarder si ça vous intéresse de savoir ce qu'est le trauma, comment ça se présente, etc. Mais nous vivons souvent avec des traumas dont certains, nous n'avons même pas conscience du fait qu'il s'agit d'un trauma. On a besoin, et là je parle vraiment d'expérience, on a besoin de solutionner les traumas. Je vous ai dit, les traumas, ça se solutionne. Alors, de par mes lectures, je suis tombée sur la méthode Somatic Experiencing du Dr. Peter Levine et j'ai décidé de me faire prendre en charge par une personne qui pratique cette méthode ici en Belgique. Et donc, j'ai déjà fait quatre sessions avec elle. Et j'avoue que c'est extrêmement intéressant, c'est assez indescriptible comme expérience. On a vraiment besoin de la vivre parce que on se rend pas, oui, on peut pas décrire facilement ce qui se passe, si ce n'est que oui, on travaille les traumas de manière somatique. Et c'est au bout de quatre séances, il y a effectivement déjà pas mal de choses qui ont eu une évolution positive. Je me sens beaucoup moins. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de douleurs dans le corps. J'avais des douleurs pas très fortes, mais absolument partout. La nuque, les épaules, le dos, le bas du dos, les lombaires, les hanches, les genoux, les chevilles, les coudes, les poignets. C'était des douleurs qui allaient comme ça dans tous les sens. Donc, je travaille avec cette thérapeute comme on part de ce que l'on ressent dans le corps, j'arrive en disant, là pour l'instant j'ai mal à tel endroit. J'aimerais bien qu'on explore ça. Et ce que j'ai constaté, parce que là maintenant ça fait quand même pratiquement 2 mois que j'ai commencé, c'est que les douleurs, elles ne reviennent pas. Une fois que le trauma est résolu, les douleurs quittent le corps. Et donc, je vous encouragerais vraiment, évidemment, encore une fois, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais si vous pouvez le faire, je vous encouragerais vraiment à faire prendre en charge vos traumatismes. Je peux vous donner, si vous le souhaitez, vous me contacter par email plutôt, un site web qui reprend des thérapeutes qui suivent cette méthode en Belgique, en France, enfin dans tous les pays, dans les pays francophones, donc à mon avis c'est la Suisse aussi. Parce que les méthodes somatiques sont vraiment extrêmement importantes. Maintenant, je passe très brièvement, j'ai déjà parlé 4 minutes et demie déjà de nouveau, je passe très brièvement aux intérêts spécifiques. Les intérêts spécifiques dans la gestion des suites du burn-out autistique, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous relier avec qui vous êtes, éventuellement de vous relier avec des autres et de pouvoir avoir des conversations qui ont du sens et de vous apaiser et de vous déstresser, etc.
Comme j'ai toute une playlist sur les intérêts spécifiques, enfin, comme j'ai déjà parlé de ça à d'autres moments, je crois pas que j'ai une playlist sur les intérêts spécifiques, mais j'ai d'autres vidéos sur les intérêts spécifiques. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de la regarder. Voilà, ceci termine cette série de vidéos assez bavardes. Je vous retrouve prochainement. Je pense que je vais consacrer une série au désencombrement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt.